Café matinal, hier, je vais aborder encore une fois un sujet qui m'est à cœur. Pourquoi? Parce que ne pas en parler, ce serait vraiment idiot, car ça semble être omniprésent. Est-ce que ça va prendre de l'ampleur? Est-ce que ça va faire pchit? C'est pas qu'elles se dégonflent, c'est qu'elles font pchit. On sait pas. La seule chose qu'on sait, c'est qu'ils ont toutes les cartes en main et que ce sont tous des jokers. Tu peux m'appeler Joker. Là, je crois que c'est le moment d'expliciter une des cartes qu'ils ont. Je l'ai déjà mentionné de façon concise, mais là, je vais le faire de façon con. Joke plat. Parce que la clé de compréhension, là, c'est de se mettre à la place du chef d'orchestre. Donc, qui est ce fameux chef d'orchestre? Eh bien, ça va déplaire à plusieurs personnes, là, mais c'est Satan lui-même. C'est lui le chef d'orchestre. Et comment qu'on fait pour analyser une situation, parce que c'est le prince de ce monde, le père du mensonge, tout plein de beaux synonymes comme ça, là, de petits sobriquets. Eh bien, on se met à sa place à lui. Là, on dit dans une situation, comme mettons, dès que tu as le mot révolution, liberté, et révolution, là, a eu lieu, Joe, qu'est-ce que tu fais? Donc, je disais, dès qu'on a le mot révolution ou liberté, là, regarde, c'est signé, là. C'est le prince de ce monde. Parce que la révolution, elle a eu lieu en 1789. Hein. Et depuis, on continue, on avance vers la débauche totale et finale. Puis liberté, c'est la non-serviable. Et à ce jour, puis je sais que ça va se poursuivre, peu importe ce qu'on dit, le monde ne veut pas savoir la vérité en réalité. Il faut en être conscient. La vérité ne gagnera jamais un concours de popularité. Là, je vais mettre un petit extrait de qu'est-ce qui se passe avec les chou-chou, puis ça va démontrer ce que je viens de dire, puis je vais encore en rajouter ensuite. Là, et on a un message important à dire à ces politiciens-là canadiens. Assez, c'est assez. Nous allons gagner la bataille pour retrouver notre liberté. Liberté! 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 Donc, comme je disais, la clé, c'est de se mettre à la place de Satan et se demander quelle serait l'option, le dénouement le plus diabolique possible selon ce qu'il désirerait, selon ses désirs. Parce que ça a fait vraiment bizarre ce que je viens de dire. Il désirerait. Il faut savoir premièrement que lui, son but, c'est de tout pervertir, de tout inverser et d'amener le plus d'âmes possible en enfer avec lui. Là, je sais que c'est difficile de dire ça à une époque où le monde ne croit plus ni en l'enfer, ni au démon. Mais il faut quand même se mettre à sa place là. On est fou, on s'imagine qu'il existe et on se dit quelle serait pour lui la plus grande victoire. Là, je mets une hypothèse comme ça. Là. J'ai tout pensé à ça, les affaires. Là. T'sais, on a dit créer une famine, admettons, la guerre civile, loi martiale, toutes ces choses-là. Mais dis-moi, il y a une option que je trouve encore plus diabolique. Je me mets à sa place. Tu sais, donner l'impression du « on a gagné, un retour à Babylone, temporaire. » Ça, je trouverais ça extrêmement diabolique. Parce que on sait tous, ben, je crois qu'on sait tous, là, que l'été, c'est toujours un retour, on donne du lest pour du lousse, pour un retour à Babylone, parce que l'été, c'est comme ça. Depuis 2 ans, on le sait, là, qu'il donne du lousse. J'espère que vous le savez. Samedi qui vient, 12 février, il n'y aura plus de limite légale pour les rassemblements privés. Ça veut dire, dans les maisons, il n'y aura plus de limite légale. Puis à partir du 28 février, bien, les lieux de culte, les salles de spectacle vont pouvoir ouvrir à 100 %. On va aussi, toujours le 28 février, permettre l'ouverture à 50 % de capacité des bars et des casinos, mais sans danse et karaoké. Puis finalement, dernière étape, 14 mars, d'abord, la danse puis le karaoké vont être permis. Les restaurants, les bars, les grandes salles comme le Centre Bell vont pouvoir ouvrir à 100 % de capacité. Donc, ça veut dire que le 14 mars, l'essentiel des mesures sanitaires va être levé. Vous voyez dans cette pièce de théâtre, là,
ceux qui sont au-dessus là, de ces marionnettes-là qu'on voit, là, comme Legault et compagnie, Macron, là, eh bien, ils prévoient les choses d'avance, les échecs, mais c'est le maître d'orchestre qui décide, qui leur donne les ordres. Vous voyez là, qu'ils voient longtemps d'avance. Moi, je trouve ça diabolique un petit peu de laisser croire au monde qu'on a gagné alors que vous n'avez absolument rien gagné. Au contraire, le piston a simplement remonté, c'est l'été, avant de redescendre mieux écrasé. Puis, toujours selon le chef d'orchestre, on se met à sa place. Lui, ce qu'il veut, c'est que nul ne pourra acheter ni vendre. Donc, je me propulse dans le futur. Parce que j'ai entendu tellement de personnes dire « Ah, j'en ai perdu 3 ans de ma vie avec ces affaires-là. Là. Je veux revenir à Babylone. » Là, j'exagère un peu, mais à peine. J'ai entendu ça tellement souvent que quand le piston va redescendre, là, si on propose, là, c'est vraiment une idée comme ça, là. Si on propose un nouveau marquage du bétail, mais qu'il n'y aurait pas de vaccin dedans, genre une identité numérique quelconque, là. Fais juste mettre ton œil ou ton pouce, puis c'est tout. Qui va dire non à ça? C'est le malin, hein? Là, je crois que plusieurs, pour pas dire la majorité, accepteraient cette nouvelle marque. Car, soyez pas dupes, là, on continue la descente, là. Moi, je trouve ça très malin, comme option, là, parce qu'ils ont toutes les cartes, comme j'ai dit. Je dis ça juste comme ça, comme un fou, là. L'option « on a gagné un retour à Babylone temporaire avant un marquage plus sévère ». Le positif, là-dedans, là. Quand on regarde les choses en toute humilité et vérité, dans le fond, parce qu'il n'y a rien qui a changé depuis le début et jusqu'au final. Le monde se font avoir par la triple concupiscence. Et c'est toujours les mêmes arnaques, là, les mêmes techniques. Là. Admettons, dans les révolutions colorées, sous faux drapeau, des attentats sous faux drapeau, c'est la même chose. Donc, puisqu'ils ont toutes les cartes en main, peuvent faire ce qu'ils veulent présentement. Moi, ça me tente de parler un petit peu des révolutions colorées parce que, tu sais, quand on connaît un tant soit peu le sujet, c'est une évidence totale et flagrante, là, cette affaire-là de convoi, là, sérieusement. Là. Faut voir clair. Là. Essayez de couper votre espoir juste un instant, là, puis regardez les choses comme elles sont, telles qu'elles sont. Là. Est-ce que ça fait du sens, ces mouvements spontanés, ces révolutions spontanées, parce que j'ai jamais eu une révolution spontanée du peuple. Regardez dans l'histoire. Là. Il y a eu des révoltes populaires, oui, mais des révolutions, puis là, le jargon est là, il y a toutes les pancartes, les slogans sont toutes là, en plein dans votre visage, mais vous ne voulez pas l'avoir. Donc, là, on va parler un petit peu, je vais laisser un expert des révolutions coloré, parler. Despite the internet, the revolution trainers spend most of their time traveling to countries in need of a well-organized resistance. Just in the past year, Serdar Popovich has flown over 100,000 miles. His inside knowledge and experience is his capital. One of the tricks is making everybody busy. Okay. Because when people are busy, they don't have time to be afraid. This sounds crazy, but this is exactly what they do in the military training, okay? So the way you're doing it nonviolent struggle is actually you create this group identity. You want people to feel each other. You want people to be dressed in a similar clothes. You want people to sing because songs make them work together. You will have drums there who will give the rhythm. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? You will have drums there who will give the rhythm. March. You want whistles, you want music, you want fun. Ceux qui restent sont bien décidés à faire la fête. You want music, you want fun. This is a very important part. And now it looks like a big, you know, how do you call it, love parade. Malheureusement, il semblerait que ce ne soit pas assez évident, pas assez clair. Car ce que le monde désire en fait, en vérité, là, c'est de continuer de faire le party et de sniffer. C'est de la bonne coco
la bonne.